Je m'appelle Gladys Bourdon, je suis artiste plasticienne et j'interroge la perception du réel dans mon travail par le biais du dessin, de l'installation, de la vidéo. Ça fait à peu près 10 ans que je suis artiste-auteur. Et dans le cadre de la résidence, je vais interroger la question du mouvement. Alors, la résidence, c'est en quelque sorte une conversation cosmique entre les planétariums d'Épinal et de Reims. Le planétarium d'Épinal m'a envoyé une première image d'astronomie de type photographique sur laquelle j'ai extrait des lignes. J'en fais ce que j'appelle une sorte de cartographie de l'image. Et de cette cartographie de l'image, sur les lignes ou entre les lignes, j'y apporte donc le dessin. Notre application consiste essentiellement à fournir à Gladys des images cosmiques, donc qui viennent de l'univers et qui ont été essentiellement prises par le télescope James Webb, qui donne des images aujourd'hui les plus résolues au monde. Depuis quelques mois maintenant, le planétarium s'est permis d'ouvrir une nouvelle voie, ou tout du moins d'afficher un nouveau domaine d'activité à son dôme, qui est l'accession justement aux artistes. Et donc ça m'a permis d'avoir comme une bulle de création pendant ce mois de résidence. Et ça a été vraiment pour moi l'opportunité de faire des recherches sur ce travail de dessin digital.